La respiration est inhabituelle. L'air injecté dans les poumons de ce patient Covid vient de cette machine. Sans elle, il n'a aucune chance de survie. En réanimation, la majorité des malades du coronavirus souffrent d'obésité, du diabète ou d'hypertension. Et depuis quelques semaines, il en arrive de plus en plus jeunes. Avant, on se disait que c'était sur une tranche d'âge de 50-60 ans. Là, aujourd'hui, je vous dis, j'ai mon cousin qui est là, il a 28 ans, il est Covid. Du coup, il faut vraiment que vous soyez conscient de ce que vous faites. Prenez vos mesures de précaution, tout ça, parce que la maladie, elle se propage d'une vitesse vraiment, on ne comprend pas du tout. Cette chambre vient d'être libérée. Il faut la désinfecter en urgence pour accueillir un autre patient. En une semaine, 30 personnes ont été admises en réanimation. Le service ne compte pourtant que 32 lits et chaque jour, il en arrive 8 de plus. Alors pour faire de la place, cette salle de réveil a été réaménagée. Depuis vendredi, elle accueille 5 malades du Covid, des patients qui nécessitent une surveillance permanente. Chaque 2 heures ou 3 heures, on vient pour les tourner. Et les tourner, si on ne les fait pas tourner, ça risque d'être un problème respiratoire. Et les points d'appui, on les fait pour des petits massages, comme les pieds, les mains. Si on ne fait rien, le patient risque de gonfler ou de prendre du poids. Et ça, ce n'est pas bon pour sa santé. En 2 semaines, 29 patients ont été transférés vers La Réunion. Des évacuations sanitaires qui comportent aussi des risques. Quand vous faites un transfert d'un patient de réanimation, par exemple sur Saint-Denis ou Saint-Pierre, c'est 8 heures porte à porte. Il faut qu'il prenne l'ambulance, il faut qu'il prenne la barge, il faut qu'il soit manipulé pour être transporté dans l'avion. À chaque étape de la manipulation, il y a un risque pour le patient d'extubation, il y a un risque qu'il se dégrade, il y a un risque qu'il décède pendant le transport. Si l'épidémie progresse avec la même intensité à Mayotte, la situation sanitaire pourrait rapidement se dégrader. D'ici une semaine, quand le service sera complètement saturé, il risque d'y avoir des dizaines de morts par jour. Il y a des patients qui vont rester aux urgences, qui ne pourront plus monter alors qu'ils ont besoin de soins de réanimation. En cas de saturation des services de réanimation de Mayotte et de La Réunion, les autorités envisagent des évacuations massives vers la métropole. Il faudra alors compter 15 heures de transport pour les malades.